De nouvelles informations en lien avec l'incendie majeur survenu hier soir dans le Vieux-Montréal. Le dossier a été transféré au service de police de la Ville de Montréal, qui n'exclut pas la thèse criminelle. Pour l'instant, les enquêteurs parlent d'un incendie suspect. Près de 150 pompiers ont été mobilisés sur les lieux. Après des heures de travail, ils sont parvenus à maîtriser les flammes. Heureusement, il n'y a aucune victime. Une porte-parole du SPVM nous parle des prochaines étapes de l'enquête. On l'écoute. Présentement, nous ne pouvons dire s'il s'agit réellement d'un incendie criminel. On traite ça comme un incendie suspect à ce moment-ci. Donc, on va attendre la levée du jour. La section des incendies criminels de Montréal se présenteront sur les lieux ainsi que les enquêteurs, analyser, savoir s'il y avait des victimes ou non à l'intérieur, savoir s'il y avait des objets incendiaires qui pourraient peut-être être retrouvés ou non. Et nous avons rencontré plusieurs résidents du secteur qui décrivent avoir entendu une explosion. À 8 heures, on a entendu comme un loud bang, tout en des flammes, c'était incroyable. C'est ça, c'est pas notre bâtiment, mais il est vraiment collé à notre bâtiment. Du coup, il y a aussi l'odeur de la fumée, etc. C'est pour ça qu'on nous a recommandé de descendre. C'était près de nos balcons, on a mangé ensemble avec ma mère et on a vu qu'il y avait le feu, c'était juste devant nous. Oui, on a entendu une énorme explosion, j'ai regardé de mon balcon, il y avait énormément de feu.